2017 est une belle année. On voit qu'il y a, un bon rebond en termes de fréquentation hôtelière, en termes de fréquentation aérienne, de l'ordre de plus 7% à peu près. Donc on est confiant dans l'idée d'avoir entre 88 ou 89 millions de touristes cette année, touristes étrangers en France. Donc voilà, c'est encourageant, mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a de la compétition. On a un certain nombre de pays qui également souhaitent gagner des parts de marché. Donc à nous d'être toujours vifs, réactifs, agiles et innovants. On a une grande ambition au sein du gouvernement, c'est faire de la France un pays qui accueille 100 millions de touristes en 2020 et qui dépenseront 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On travaille avec les professionnels, de nombreux professionnels sont là, la destination France est également très représentée. Et puis il y a également eh bien, le Quai d'Orsay qui est présent au titre du centre de crise, au titre d'Ariane qui est eh bien, cette belle application qui permet aussi eh bien, tout simplement de pouvoir être prévenu. Vous savez qu'on a cette capacité à gérer les crises, aussi à prévenir. Et donc voilà, le Quai d'Orsay a toute sa place ici au salon qui réunit les professionnels du tourisme. Alors, sur la question...